Sandrine, tu es coach de dirigeants et fondatrice, entre autres, de Leaders for a Good Planet. Tu es l'auteur du livre La Nouvelle Élite, dans lequel tu décris ce qui empêche les femmes de prendre des postes de leader dans un monde du travail qui est fait avant tout pour les hommes, et tu expliques aussi comment dépasser ces freins. Alors, dans cet entretien, tu vas nous parler des spécificités des femmes, que ce soit des profils atypiques ou des femmes avec une intelligence émotionnelle développée, par exemple, et comment faire de ces spécificités des atouts dans le monde du travail. Alors, première question, tu décris au début de ton livre un tableau assez peu réjouissant. Les femmes ne postulent à une annonce que lorsqu'elles ont au moins 80% des compétences requises, donc c'est une moyenne, et les hommes, 60%, ce qui est radicalement différent. Comment est-ce qu'on explique ça ? Je pense que ça vient de notre éducation, notamment française, parce que là, ces chiffres, ils sont vrais pour les femmes françaises. Si je l'écrivais pour des femmes américaines ou asiatiques, ce ne serait pas tout à fait les mêmes ratios. Mais en France, il y a ce syndrome de la bonne élève, qui est quand même, quand on regarde les têtes de classe, il y a quand même beaucoup plus de filles que de garçons, hein, d'accord ? Et donc, on a appris à être des bonnes élèves, et donc être une bonne élève, c'est répondre à toutes les questions, savoir répondre à toutes les questions. Or, c'est vrai que les offres d'emploi, elles sont quand même un peu en mode, on veut toujours un peu le mouton à 5 pattes, voire à 10, ou voire à 12. Et nous, en tant que femmes, comme on est assez scolaire, finalement, on se dit, ah ben non, je coche pas cette case, donc je m'auto-censure avant d'y aller. Alors que les hommes s'auto-censurent après, une fois qu'ils sont au pied du mur. C'est pas le même type d'auto-sabotage, si je puis dire. Et en fait, j'ai mis 80%, mais je pense que j'aurais pu mettre 120. Ah oui. Ouais. Je pense que 80, on est vraiment toute la réalité. Ce que j'observe, c'est que les femmes ne postulent pas quand elles n'ont pas tous les critères requis. Par exemple, s'il y a marqué, tu dois parler un anglais professionnel et que tu te trouves moyenne en anglais, pas que tu parles pas, hein, juste tu te juges étant pas professionnel, ben, ça va être un facteur discriminant. Alors qu'en réalité, peut-être que tu as un anglais qui est largement suffisant. Tu vois. Donc il y a une question de compétence, puis il y a une question de jugement sur ses propres compétences. Donc double peine. Et pour autant, les hommes qui postulent à ces offres où ils ont voilà, grosso modo 60% des compétences, est-ce que derrière ils transforment l'essai ? Est-ce qu'ils sont embauchés ? Oui, ils peuvent être embauchés. Donc ils bluffent ? Non, pas forcément. C'est-à-dire que souvent... ce qu'on demande sur un poste, il y a des nice to have et des must have. C'est pas forcément super clair dans la façon dont c'est rédigé les offres d'emploi, mais c'est la réalité. Donc ils ont pas de problème en fait, les hommes, à dire je sais pas, mais je vais le faire, je vais me lancer. Donc c'est une posture qui passe bien en entretien, parce que finalement, de plus en plus, avec la façon dont les nouvelles technologies viennent percuter les métiers, etc., ce qu'on attend de toi, c'est pas que tu saches tout faire, c'est que tu sois capable d'évoluer et d'apprendre à faire ce que tu sais pas. Donc on s'en fout finalement de cocher toutes les bonnes cases. Alors, une autre question, quels sont les freins que tu constates le plus souvent chez les femmes pour accéder au poste de leur rêve ? Alors, il y a une sorte de... Je vais le dire, pour moi, c'est une croyance, c'est une idée reçue. C'est pas une réalité. Je sais qu'il y en a plein qui vont hurler en m'entendant dire ça, mais c'est OK. Je pense qu'il y a ce fantasme de « je peux pas tout avoir ». Pas réussir ma carrière, réussir ma vie de femme, réussir ma vie de mère, réussir à avoir des amis, à être équilibrée, etc. C'est comme... Il y a cette perception que c'est pas possible de tout réussir. Donc, si je dois choisir, bah, je vais choisir plutôt d'être maman, de réussir ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Et c'est vraiment une croyance, je le répète. C'est-à-dire que j'ai plein d'exemples. Ça fait 16 ans que j'accompagne des femmes à des postes dirigeantes, à des femmes qui font des parcours professionnels, des femmes entrepreneurs. C'est un choix de tout réussir. C'est pas une impossibilité. Ça ne veut pas dire que tu peux réussir partout, tout, dans tous les postes, d'accord ? Si tu postules à un truc où le prérequis, c'est que tu sois là tous les soirs jusqu'à 21h, eh ben, tu vas pas pouvoir le faire changer. Par contre, t'es pas obligé de postuler à ce genre de poste pour faire carrière. C'est-à-dire que les femmes vont sacrifier plus facilement leur carrière ? Oui. Elles se mettent entre parenthèses. Le grand classique, c'est je me mets entre parenthèses parce que mes enfants sont petits et je me réveille, entre guillemets,
quand vers la cinquantaine, ou un peu avant, ou un peu après, selon l'âge de tes enfants, une fois qu'ils sont grands et qu'ils sont dans leurs études supérieures, et où finalement il y a une deuxième partie de carrière, avec des envies et des aspirations vraiment très différentes. Est-ce qu'il y a d'autres freins? Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants. Oui, c'est vrai, il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais il y a quand même toujours cette dichotomie de réussir sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Le « et » chez les femmes est un truc assez complexe. C'est comme, en fait, on n'a pas eu beaucoup de rôles modèles, de femmes qui sont capables de réussir les deux. Les rôles modèles de femmes dirigeantes traditionnelles, en tout cas moi j'ai 52 ans dans ma génération, franchement ça faisait pas rêver. Hein. C'est des nanas qui bossaient de 6h du matin à 23h, qui étaient tout le temps en voyage, qui voyaient jamais leurs gosses. Enfin, moi c'est ça que j'ai eu comme rôle modèle de femme dirigeante, tu vois. Donc m'autoriser, me donner la permission de me dire ok, tu vas créer un autre rôle modèle parce que toi c'est pas ça que tu veux. Et c'est quoi la réussite finalement? Est-ce que c'est réussir d'avoir une super carrière puis de divorcer, ce qui a été ma première partie de vie? Quand j'en suis arrivée là, j'avais 30, aux alentours de 30 ans. La réflexion était, ok, j'ai fait un super parcours professionnel, mais je suis en plein divorce. Très bien. Donc ma deuxième partie de vie, c'est comment je fais pour continuer ma carrière et m'éclater dans ce que je fais et réussir ma vie personnelle. Et quelles ont été les clés pour toi, justement ? De fixer très clairement qu'est-ce qui était non négociable avec moi-même. Avec moi-même. Tu vois ? Moi, vivre à la campagne, c'est quelque chose d'important. Avoir du temps pour me balader le matin, le soir, la nature, faire des activités, voir des amis, prendre du temps avec mon mari, tout ça, c'est non négociable. Donc, par exemple, j'ai fait un choix de vie de vivre à la campagne. Ce qui a des conséquences, parce que ça m'a limité dans les postes, parce que moi, ma négo de base dans les postes, c'était bien avant le Covid. Hein. Mmh. Je te parle d'il y a déjà 10-15 ans. Donc, il y a 10-15 ans, quand tu disais mon prérequis, c'est minimum 3 jours de télétravail, à un poste de dirigeante, tu vois, ça a éliminé plein de possibilités déjà d'entrée. C'est-à-dire qu'il y avait des postes où c'était... J'avais toutes les compétences, mais le critère ne passait pas. Alors, je ne le disais pas comme ça. Hein. En fait, ce que je voudrais aussi transmettre aux femmes, c'est... Parce que j'ai fait ça. J'ai une partie où j'étais... Voilà, je veux ça, et puis c'est non négociable. Donc, non. Après, j'ai compris que je passais les entretiens. Une fois que j'étais choisie et sélectionnée, alors je négociais ce qui était non négociable pour moi. C'est-à-dire, c'est ce qui me permettait cet équilibre pro-perso. Et les employeurs étaient OK ? Pas tout le temps, mais souvent, en fait, si tu dis au départ, voilà mes conditions, ça passe pas, d'accord, ça fait un peu princesse, quoi, genre, qui tu es pour demander ça. Une fois que la relation de confiance, elle est établie, et qu'on a travaillé sur la valeur que tu allais apporter, sur le modèle, sur ce qui fait finalement ta valeur dans ce poste-là, alors c'est beaucoup plus facile d'expliquer pourquoi. Tu vois. Et du coup, de pouvoir... Moi, j'ai toujours proposé à mes employeurs... Bon, maintenant, on n'a plus forcément besoin de faire ça parce que c'est rentré dans les mœurs. Mais à l'époque, à part dans les boîtes américaines, c'était compliqué. Donc, quand c'était vraiment pas dans la culture de l'entreprise, je proposais, par exemple, de se dire, on se fait un test de 2 ou 3 mois. Et puis, en fonction, on ajuste si on voit que ça va pas. Enfin, tu vois, de pas être intransigeante sur le truc, sans pour autant lâcher ce qui était important pour moi. Mais en créant la relation de confiance pour montrer, pour éduquer sur le fait que ça allait bien se passer et que ça allait pas m'empêcher d'atteindre mes résultats, bien au contraire. Alors, tu expliques dans ton livre que le monde du travail a été façonné par des hommes, pour des hommes, et que les femmes doivent sans cesse se contorsionner pour s'y adapter. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ça? Alors, c'est vrai que les codes du travail, au départ, ils sont quand même très masculins. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas intéressés par leur vie personnelle, tu vois. Ils sont souvent très attentifs à leur famille, etc. Mais je ne sais pas pour quelles raisons, ils ne sont pas dans cette dichotomie. Donc, il y a quelque chose chez eux de je bosse, ça me permet d'offrir une belle vie à ma famille. Donc, il n'y a pas cette forme de culpabilité ou d'opposition que nous, on a. Ce qui fait que, du coup, ça leur pose pas de problème d'avoir une réunion à 18h, d'être en déplacement. Il va pas y avoir ce sentiment de culpabilité que nous, on va ressentir en tant que femme, même sans enfants. C'est même pas une question d'avoir des enfants, c'est une question d'être disponible. Donc ça a été construit comme ça.
pas du tout pour empêcher les femmes de rentrer, mais simplement parce que pour eux, c'était pas un sujet. Donc nous, on arrive là-dedans, on fait « le code, c'est ça, ouais, mais moi, ça me convient pas complètement. Comment je fais ?» Bah, t'en as, t'as 90% des femmes qui, du coup, se limitent dans leur carrière. Il y a eu une grande tendance ces dernières années à « je crée mon entreprise ». Je pense qu'on va avoir un effet de balancier très fort qui va revenir parce que créer ton entreprise, au départ, tu le fais parce que tu fais ton métier et tu veux faire ton métier, sauf que créer ton entreprise, c'est tout sauf faire ton métier. C'est faire de la compta, c'est chercher des clients. Je sais. C'est plein d'autres choses. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Donc oui, c'est une forme de liberté, mais en fait, à la fin, c'est pas de la liberté si t'as pas de clients et que t'as pas de salaire, c'est pas forcément tellement plus épanouissant. Donc on a cherché beaucoup de possibilités en essayant de sortir en fait du système, ou en y restant, en se plafonnant à un certain niveau de responsabilité. Donc l'idée, ça serait de proposer ses propres codes en tant que femme. Ouais. Ne pas avoir peur de les... Je pense qu'on a, en tant que femme, ou je dirais en tant qu'énergie féminine, parce que tu as des femmes qui ont des énergies très masculines et des hommes qui ont des énergies plutôt féminines. Donc dans l'énergie féminine, je dirais qu'en fait, il y a cette force créative. Et qu'il ne s'agit pas d'imposer, mais de fluer avec ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, sans présupposer au départ que ce n'est pas possible. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on présuppose et on s'auto-censure avant de demander. On n'ose même pas demander. Ouais. Donc, si tu oses demander, tu vas avoir une réponse qui est oui ou non, peut-être. Et là, tu vas pouvoir commencer à négocier, à organiser, à créer, tu vois. Mais comme, en fait, la plupart des femmes ne demandent pas, ben, il n'y a même pas cette possibilité créative. Or, on a ça dans notre énergie féminine aussi. On n'a pas que le côté bon élève, on a aussi le côté créatif avec lequel on peut jouer. Et je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps, hein, ça fait, je sais pas, 6-7 ans que je me dis, mais en fait, ma grande force, ça a été cette créativité. Ça a été que j'ai osé poser des questions, osé dire, est-ce que c'est possible de cette façon ? Non, c'est pas possible. Pourquoi ? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les enjeux? Vous avez peur de quoi? Tu vois, au lieu de me tenir à la réponse qu'on me donnait, de questionner la réponse pour comprendre quel était réellement le problème et donc pour pouvoir le contourner en proposant autre chose qui réponde au problème de la personne et qui réponde à mes propres enjeux. Donc en travaillant toujours dans cette co-construction, il ne s'agit pas d'imposer des choses. Aujourd'hui, je trouve que je suis souvent assez choquée quand même de voir le rapport qui s'est inversé. Hein. On était il y a 10-15 ans dans un truc où c'était l'employeur qui était tout puissant. Aujourd'hui, on est dans ce rapport où finalement, c'est l'employé, salarié qui est tout puissant. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est quand même toujours dans un rapport de force. Là, moi, ce dont je parle, c'est pas ça, c'est de la co-construction. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un en face de toi, exemple, tu as un manager qui se sent insécurisé parce qu'il te voit pas, c'est OK. Donc lui, il va traduire ça par « non, je ne suis pas OK pour le télétravail ». Très bien. Mais en fait, ce n'est pas le télétravail qui remet en cause. C'est le rapport de confiance, le rapport de contrôle. Peut-être qu'il ne sait pas faire autre chose que du micromanagement. Donc le questionnement, c'est « OK, donc tu as besoin de quoi pour te sentir en confiance quand je suis à distance ?» Tu vois. Et là, on ouvre un autre champ des possibles. Peut-être que ça va être effectivement bah, « écoute, non, moi j'ai besoin que tu sois là parce que j'ai besoin que tu sois là ». Ok, fin de nous recevoir. Moi, quand ça se passe comme ça, c'est pas pour moi, je sais. Et peut-être que simplement, ça ouvre le champ des possibles sur ok, donc j'ai besoin qu'on mette en place un dispositif de mesure sur qu'est-ce que tu as fait, quels sont les résultats, etc. Puis quand je vais commencer à voir que ça tourne, je serai rassurée. Et tu ouvres une possibilité très différente. Peut-être que ça ne va pas être tout de suite en télétravail. Peut-être qu'il y a besoin de 3 mois ou de 6 mois de période d'essai pour créer cette relation de confiance. Mais ça se négocie tout au début. C'est-à-dire, ça, je te parle d'un cas que j'ai déjà vécu. Hein. Et donc, moi, ce que j'ai proposé à ce manager, c'est de dire, OK, donc je comprends que tu as besoin d'être rassuré, que tu as besoin que je te prouve, finalement, puisque la confiance, ça ne se décrète pas. On a besoin d'apprendre à se connaître. Et je le comprends, et je le respecte. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se donne 3 mois. Dans 3 mois, on fait un point. Si tout va bien, on commence à enclencher une journée.
Et puis si ça va bien, dans 6 mois, on passe là où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire à 3 jours. Est-ce que ça te va? Oui. Et on a tenu le truc comme ça, et ça s'est ultra bien passé, alors qu'au départ, c'était quelqu'un qui était mis absolument contre le fait que je sois en télétravail. Tu vois? Et si je lui avais dit d'entrée, ben, moi, c'est une condition non négociable, ce qui était le cas, mais ce n'est pas non négociable tout de suite, dès maintenant. Tu vois, c'est très différent d'une relation de rapport de force ou une sorte de caprice, finalement, où tu imposes ton truc. Tu co-construis avec l'autre, et en fait, tout est possible dans la relation de confiance. Et ça, les femmes s'auto-censurent. Elles n'y vont pas. On me demande d'être comme ça, comme ça, comme ça. Je coche les cases, je coche pas les cases. Si je coche pas les cases, alors j'ouvre pas l'échange. Et c'est dans cet échange que les choses se construisent et que ça devient possible. Alors, tu mentionnes dans ton livre 9 types d'intelligence. Donc, ça nous fait un peu sortir du QI classique, très bon en maths, par exemple. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces 9 types? Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais globalement, pour avoir une idée. Donc, il y a un certain nombre de modèles psychologiques sur les intelligences. Ce que je trouve intéressant dans celui-là, c'est qu'effectivement, on connaît le logico-mathématique qui est un peu la panacée quand même du système scolaire. Hein. Mais il y en a des très intéressants, du genre l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité de comprendre ses émotions. Bon, ça, c'est quand même assez peu valorisé professionnellement. Pourtant, tout ce que je viens de décrire précédemment sur la co-construction, ben, c'est une vraie, ça nécessite vraiment une intelligence intrapersonnelle, de comprendre ses prérequis, qu'est-ce qui est non négociable pour toi-même, et une intelligence interpersonnelle, qui est la capacité d'échanger avec l'autre pour justement comprendre ses besoins et co-construire ensemble. Tu vois. Ça, c'est des formes d'intelligence. Typiquement, moi, je ne suis pas forcément hyper intelligente en termes de logico-mathématiques. Ça n'a jamais été trop mon truc. Par contre, dans la relation, donc dans l'intrapersonnel et l'interpersonnel, là, j'ai cette forme d'intelligence. Et ça illustre ce que je racontais avant, de finalement, c'est tout aussi important. Encore faut-il avoir conscience que c'est une force. Et parce qu'au départ, tu vois, quand j'en parle souvent avec mes clientes ou mes coachs, je me dis, mais ouais, ça, je vois bien quoi ça sert dans la vie personnelle, mais dans la vie professionnelle, comment tu le valorises? Ben, je le valorise de la manière que j'ai expliqué avant. C'est-à-dire, je le valorise comme une capacité à co-créer, de la confiance, à co-créer et à faire évoluer ta fonction, à aller chercher ton épanouissement en créant de la relation, en fait. Tu vois. Et donc, le logico-mathématique, c'est ta fiche de poste. L'intelligence intrapersonnelle, c'est comprendre qui tu es. Et l'intelligence extrapersonnelle, c'est naviguer avec tout ça. Bon, je trouve que c'est déjà une belle illustration. Ensuite, tu as des intelligences qu'on connaît un peu plus, l'intelligence verbale, la capacité de parler, d'embarquer avec la parole, l'intelligence musicale. Alors celle-là, par exemple, c'est pareil, l'intelligence musicale, on se dit, ok, alors je vais en faire quoi dans ma vie professionnelle? On voit bien, je ne suis pas artiste, ça me sert à quoi d'avoir une oreille, une intelligence musicale? Ben, par exemple, ça va te servir à avoir un ton de voix quand tu parles. Peut-être que tu vas devenir quelqu'un d'hyper fort en communication parce que tu vas savoir repérer cette musicalité, cette séquence, tu vois. Donc je trouve que c'est intéressant de défocuser sur l'intelligence normale, entre guillemets, ce qu'on considère comme normal, qui est juste notre perception, pour aller se dire, tiens, ok, alors peut-être que je ne suis pas très logique, je ne suis pas très logico-mathématique, donc les petites cases, mais j'ai plein d'autres choses. Comment je le valorise? Comment je le valorise dans ma sphère professionnelle aussi? Et un vrai travail créatif pour le coup, parce qu'effectivement, on absolument pas, on n'est pas habitué à ça, non. À valoriser ça. On ne sait même pas que ça peut nous servir dans le travail. Enfin, c'est des sous-catégories souvent, ce type ouais. d'intelligence. Hein. Tout à fait. Puis, on ne voit pas le lien. Et ça rejoint le « on peut tout avoir ». Tu vois, quand on prend la vie de cette façon-là, ça crée une ouverture. C'est pas juste une question de « t'as eu du bol, t'es tombé sur les bonnes personnes, sur les bons postes ». Non, je suis tombée dans des environnements parfois qui étaient ultra conformes. Et en fait, c'est comme devenu un jeu au fil de ma carrière de « ok, donc là, c'est ultra conforme, comment je vais hacker le truc ?»
mais sans m'opposer au système. C'est-à-dire que, tu vois, souvent on me dit oui, mais les entreprises, là, c'est lourd, c'est gros, c'est. Moi, j'aime profondément les entreprises de toute taille, de la solopreneur jusqu'à la très grosse boîte, hyper processée, hyper conforme. Et parce que j'ai ce respect et cet amour de l'entreprise, alors je ne la vois pas comme un système étouffant, etc. Je la vois comme un système à hacker. Hacker signifiant au départ trouver la solution. Tu vois? Et donc, à chaque fois, je me suis dit, OK, comment je vais hacker le système? Pas pour le hacker, pour lui apporter ce que je peux lui apporter de meilleur. Parce que si je rentre dans ces cases-là, alors dans 6 mois, j'ai plus une idée. Moi, je suis une créative, je fais sortir de terre des projets, je les fais passer à l'échelle, c'est ma grande force. Donc si tu mets dans un truc où je peux plus respirer, autant te dire qu'au bout de 6 mois, j'apporte plus rien à l'entreprise en vrai, parce que j'ai pas été nourrir ma dimension de créativité, etc., qui est ma force et qui est mon talent et qui est ce que je peux apporter dans un environnement professionnel. Donc, je suis sortie de ce truc de je dois rentrer dans les cases parce que c'est bien ou mal, ça veut dire que je suis une bonne élève ou pas une bonne élève, ou que je suis aimable ou acceptable, à ce que je peux apporter, c'est ça. Pour apporter ça, il faut en dessous qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies, parce qu'autrement, à l'intérieur, je me vide, je me vide, je me vide, je me vide. C'est comme un réservoir, tu vois, qui est. Il n'y a plus d'eau. J'ai plus rien à donner. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Ce que j'ai fait, hein, toute ma première partie de carrière, je passais mon temps à me vider et à me dire, oh, ça va pas, je démissionne parce que C'est je comme suis. ça qu'on fait des burn-out, j'imagine. Ouais, aussi. Oui, j'en ai fait aussi. Hein. Et puis, tu vois, au-delà de ce truc de tu te vides, et donc quand t'es vidé, tu te dis qu'il faut que tu partes. Tu vois? Et en fait, c'est pas complètement ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas l'environnement, c'est que tu t'es mis dans un contexte où tu as accepté que tu sois vidé de ton énergie. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'entreprise. Elle est normative, certes, l'entreprise, mais c'est à toi de dire que cette norme-là, elle te vide, et que donc si elle te vide, tu vas plus pouvoir apporter quelque chose de bon et de sain pour les autres. Tu vois? Et quand tu expliques les choses comme ça à un manager lambda, en général, dans 80% des cas, ça se passe hyper bien, quoi. Encore faut-il voilà, qu'il soit ouvert à la discussion un C'est minimum ça. et pas Après, complètement il y a toujours manipulateur des pervers. gens ultra. Puis Voilà. il y a toujours des gens qui resteront, et c'est OK. Ils sont comme ça, c'est leur croyance, et c'est non négociable, et ils sont dans cette posture d'autorité comme ça. Très bien. Moi, je sais que je peux pas m'interfacer avec ça. C'est ma limite. Je le respecte, mais je sais que je vais pas apporter mon meilleur quand on est dans ce genre de relation. Alors, tu expliques dans ton livre, enfin, tu développes dans ton livre le sujet des personnes atypiques dont on parle beaucoup, qui sont a priori surreprésentées chez les femmes par rapport aux hommes. Qu'est-ce que tu entends du coup par personne atypique et comment est-ce qu'on peut savoir si on en est une soi-même? Alors, je ne voulais pas volontairement utiliser le mot haut potentiel, tu l'as compris entre les lignes. Pourquoi? Parce que le haut potentiel, c'est des tests psychologiques que je trouve dépassés, dans le sens où ils sont faits beaucoup autour d'une intelligence logico-mathématique. Je reprends mon exemple. C'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de mon expérience plutôt. Si tu me mets dans les tests de haut potentiel, je suis juste HPI, mais juste tout au début, quoi. Limite, enfin, c'est un point, quoi. Parce que quand tu mets des tests tels qu'ils sont faits au niveau du haut potentiel, avec plein de trucs mathématiques et des suites arithmétiques qu'il faut remplir et des figures géométriques, alors là, c'est comment te dire, il n'y a plus personne, en fait, je suis plus là. Et quand tu regardes mes tests de haut potentiel, j'ai donc ça où je suis genre à 90, donc voire dans la moyenne, enfin plutôt en dessous, moyenne basse. Et j'ai dans la dimension verbale, langage, etc., je suis genre à 170. Ce qui fait qu'à la fin, je suis pas détectée comme un haut potentiel traditionnel. Où, tu vois, je suis vraiment dans la fourchette. Voilà. Pour autant, je fonctionne exactement comme un profil atypique. Et donc, et j'ai vu beaucoup de personnes qui me faisaient ce retour-là. Donc, à un moment, je me suis dit, mais les tests, ils ont encore été faits selon certainement une logique qui est peut-être plus complètement d'actualité. Donc, atypique, je vais le définir, en fait, c'est des fonctionnements neurophysiopsychologiques. C'est-à-dire que
Atypique égale, tu vois le monde dans un 360. Tu vois le monde dans sa diversité. Si tu regardes des jardins avec des clôtures, tu vas pas voir des jardins avec des clôtures, tu vas voir un espace vert. Mmh. Alors que les autres, ils vont voir des jardins avec des clôtures. C'est une façon de voir le monde qui est vraiment différente. C'est-à-dire que tu la vois pas en séquence, tu la vois en globalité de façon beaucoup plus holistique et beaucoup plus systémique. Et c'est ça pour moi être atypique. Et il y a plus de femmes qui le sont. Et il y a beaucoup plus de femmes qui le sont. Probablement parce que on a une forme déjà de créativité naturelle dans notre énergie, puis aussi la capacité à gérer plusieurs choses en même temps. En tout cas, à regarder à 360. Tu vois, quand un homme, il se concentre sur son job, il se concentre sur son job. Toi, tu fais ton job, mais en même temps, tu es en train de piloter ce qui se passe à la maison avec les enfants, ou la maison, ou en train de penser à autre chose sur le dîner. Et du coup, je pense qu'on a développé assez naturellement cette compétence-là. Et donc, oui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans des profils qu'on appelle au potentiel, hypersensibles, tu vois, toutes ces taglines qu'on y met. Et qui du coup sont moins dans des systèmes normatifs séquentiels. D'où l'intérêt de développer ce que tu disais précédemment. Et oui, et ça m'ensemble parce que tu comprends bien que quand tu es comme ça et qu'on te met dans un système ultra normatif séquentiel, tu te dépéris à vue d'œil. Donc à un moment tu te dis ben, je ne suis pas faite pour le monde de l'entreprise, donc je crée ma boîte, ou je suis pas faite pour le monde de l'entreprise. Et je déprime parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Alors, je vais faire un bilan de compétences, je me fais accompagner, etc. Donc, tu changes de métier. Tu as fait un bilan de compétences, super. Tu te dis, oh, finalement, je vais faire ce métier, ça va être vachement bien. Moi, j'ai fait 7 métiers différents, avant de comprendre. Alors, j'en parle tranquillement, avec beaucoup de bienveillance. Tu vois. Donc, j'ai changé de métier à chaque fois en me disant, bon, bah, c'est peut-être le métier, je ne suis pas adaptée. Avant de comprendre qu'en fait, c'était... quelque chose de plus global, c'était un positionnement personnel et donc c'était lié à mon leadership. D'abord, j'ai commencé par changer plein de fois de métier, après plein de fois d'entreprise, après plein de fois de pays. Et les problèmes revenaient toujours les mêmes ? Toujours. C'est donc, ça qui t'a mis la puce à l'oreille ? C'est ça, c'est qu'à un moment, tu fais, mais waouh ! Donc, tu vois, une intégration de poste, au début, je mettais 3 ans à mon UI, puis après, je mettais 2 ans, puis après, je mettais 1 an. Puis sur les derniers postes, au bout de déjà 15 jours, je m'emmerdais. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais c'est quoi le problème chez moi ? Alors, justement, sur les profils atypiques, donc t'expliques que c'est une chance pour les entreprises aujourd'hui. Or, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne sont pas encore tous très au courant que ça peut être une chance. en tout cas, en France, hein, j'ai l'impression. Et puis, c'est vrai que souvent, on est cantonné à un CV, à une expérience, et voilà, et toute la dimension plus humaine et subtile, on ne l'aperçoit pas forcément. Quelle est ton analyse sur la situation actuelle en France du recrutement ? Et comment on peut faire effectivement de son originalité, on va dire, de son atypisme, une force, comme ce que tu disais un peu tout à l'heure. Oui. Alors, je pense qu'effectivement, je partage ton analyse. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Pas parce qu'on ne veut pas y être, parce que y a beaucoup d'entreprises qui adoreraient, qui voient bien l'intérêt, mais qui ne savent pas comment le faire entrer dans un process de recrutement, dans un parcours d'évolution professionnelle. Tu vois, c'est plus en fait, ok, mais concrètement, il faut que je fasse quoi ? On est face à une... Pour moi, on est au début de la sensibilisation, en fait. Mais exactement de la même façon, alors ça va peut-être te faire hurler que je fasse ces ponts-là, mais on est au même endroit que la mixité il y a quelques années, que le handicap. En fait, quand tu es dans une minorité, quelle qu'elle soit, et c'est pas bien ou mal, tu es juste minoritaire par rapport... un nombre de personnes, c'est pour le coup c'est logico-mathématique, c'est le plus grand nombre qui définit la majorité. Donc quand tu es dans une minorité, ce qui se passe c'est qu'il va falloir évangéliser, éduquer, expliquer comment ça fonctionne pour toi et de quoi tu as besoin, parce qu'il n'y a personne qui vit dans une boule de cristal et qui fait tourner les tables et qui lit dans tes pensées. Ça aussi c'est un truc très féminin, on devrait nous comprendre. Quand on est au potentiel, on a besoin d'être compris. Tu vois. Déjà, on a besoin de se comprendre soi-même, puis de s'aimer soi-même. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut commencer à plus avoir besoin d'être compris. Juste d'être respecté, ce qui est déjà énorme. Je pense qu'il y a cette attente de tous ces profils atypiques, d'être compris et d'être accepté. Moi, je mets le mot « être respecté ».
ce qui est très différent. Mais pour être respecté, ça veut dire que tu prends ta puissance en amont. Ça veut dire que tu es capable de comprendre que le système, il est normatif, sans être en colère, sans trouver ça hyper injuste. J'utilise ces mots parce que ça a été mon parcours. À un moment, tu te dis, alors attends, je suis pas faite pour le truc. Ils comprennent rien. Tu le vis vraiment comme une injustice. En plus, c'est un handicap invisible au potentiel. J'ai souvent dit ça quand on me dit, ah, t'as de la chance. Non, c'est un putain de handicap invisible. Parce qu'en fait, tout le monde croit que t'es normal, mais en fait, tu comprends pas le normal. Donc, une fois que t'as passé ces phases de colère, de frustration, de ce besoin d'être reconnu, d'affirmer, etc., alors tu peux prendre ta puissance. Et tu peux comprendre que le système, il est normatif, c'est pas bien ou mal, c'est juste que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une réalité. Que, effectivement, tu vas pouvoir répondre, même si tu coches pas toutes les cases. Que tu passes d'abord dans la moulinette de la norme, en comprenant que c'est pas qu'ils veulent pas faire autrement, c'est juste qu'ils savent pas comment faire. Et une fois que tu es passé dans cette moulinette-là, à un moment donné, que tu sors sur des postes, là, tu rentres dans la relation humaine, t'expliques. C'est exactement comme le télétravail, en fait. C'est un autre aspect, mais tu es juste en train d'expliquer comment tu fonctionnes. Tu vas pouvoir apporter des choses, répondre aux critères de ton poste et apporter plus. Et puis, on peut peut-être même devenir un exemple pour des personnes qui se conforment dans la norme. Exactement ça. C'est-à-dire que moi, en fait, je me suis rendu compte ces dernières années, d'où le fait qu'à un moment, je me suis dit que j'écris un livre, parce que chaque fois, on me disait « Ouais, ça serait bien que tu écrives. » Genre, j'ai rien à raconter. Le syndrome féminin, par définition, ouais. Enfin, je vais pas rajouter un énième livre sur le leadership. Il y en a déjà des tonnes. Qu'est-ce que j'ai à raconter de plus? Enfin, tu vois, j'ai longtemps résisté à écrire ce livre. Pour cette raison-là, en me disant, il faut que j'apporte quelque chose de différenciant, si c'est pour répéter 12 000 fois la même chose. Et en fait, c'est ça le truc, je crois. C'est que quand j'ai réalisé que j'avais été un rôle modèle dans plein d'endroits où j'étais passée. Pas parce que j'avais une fonction plus importante, mais parce que je faisais des choses où les gens se disaient, waouh, on peut faire des choses comme ça. Du coup, ça ouvrait plein de portes. Pour les hommes et pour les femmes, hein, pas que pour les femmes. Parce qu'ils me voyaient faire. Et je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut que je partage. C'est que c'est pas une question de... T'as pas besoin d'être DG d'une boîte du CAC 40 pour être un rôle modèle. Tu vois, dans mon livre, j'interviewe des femmes de 30 ans à 65. J'ai une boîte, moi toute seule en tant que solopreneur, à je suis DG d'une boîte avec X milliers de personnes. Je voulais montrer qu'en fait... T'es pas rôle modèle juste quand t'es connu et que t'as un gros poste à responsabilité. Tu peux être rôle modèle à tous les niveaux de l'entreprise. Rôle modèle, ça signifie pas être connu, célèbre, d'avoir des galons. C'est, tu ouvres des possibles. Donc, les autres te regardent et te disent, waouh, ah ouais, on peut faire ça. C'est possible dans cette entreprise. Et hop, il y a plein de gens qui osent faire des choses et qui viennent te dire... des années après, tu sais, en fait, je me rappelle de toi dans cette réunion-là, tu avais fait ça, et je m'étais dit, ah, on peut faire ça, tu avais dit ça. Et en fait, c'est là qu'a commencé à germer mon projet sur tel truc. Je me suis dit, mais si elle le fait, c'est que moi aussi, je peux le faire. Et tu vois, j'ai des témoignages, c'est le privilège de l'âge, de gens que j'ai accompagnés, ou que j'ai managés, ou qui m'ont croisé dans des vies professionnelles ou dans des expériences diverses et variées, et qui me disait la façon dont tu te positionnais, je me suis dit, mais ouais, ça semble tellement simple quand elle le dit, et c'est tellement naturel que ok, j'essaye. Tu vois. Alors, tu parlais également de l'entrepreneuriat, effectivement, tout ce qui est solopreneur, et voilà, on est beaucoup à avoir tenté cette expérience. Pourquoi c'est parfois un leurre et pourquoi tout le monde n'est pas fait pour, et quels sont effectivement le côté obscur, on va dire les faces cachées de l'entrepreneuriat? Alors tu sais, on n'a pas tous la même personnalité, ça c'est un truc de base, je ne vais rien t'apprendre là-dessus, mais en gros on a deux types de personnalités, on a les gens qui aiment bosser seuls et les gens qui aiment bosser en groupe, déjà. Quand tu aimes bosser en groupe, être solopreneur, c'est ultra compliqué. Tu peux compenser avec des écosystèmes de freelance et tout ça. Ma première boîte, j'ai beaucoup fait ça. Ça ne fonctionne pas ultra bien. Je sais que moi, personnellement, j'aime profondément le monde de l'entreprise parce que j'aime le monde du projet. J'aime le monde des équipes. Et donc ça, c'est un premier frein.
Je commence par celui-là, c'est pas forcément celui qui est le plus visible. Le plus visible, au départ, c'est est-ce que tu aimes aller vendre ou pas? Je sais que la vente est un sujet délicat. En fait, bon, je pourrais en parler pendant des heures de la vente parce que c'est toujours le même sujet de la créativité autour de ça. C'est comment tu fais pour valoriser qui tu es. Et donc, il y a autant de façons de vendre que d'individus, en fait. Mais quand même, il y a un principe de réalité. C'est quand tu es à ton compte, à un moment, il faut bouffer. Et qui dit bouffer, dit sortir du chiffre d'affaires et donc avoir des clients. Donc ça, c'est un premier frein qui est important. C'est-à-dire que tu peux être excellent dans ton métier, si tu n'as pas de clients, ça va être un problème. Donc je pense que ça, c'est largement sous-estimé. Tu vois, par exemple, dans les écoles de coaching, il y a très peu d'écoles qui parlent de comment tu trouves des clients. Donc tu apprends à faire ton métier de coach. T'es coach, super, t'es content. Et après, comment tu vas chercher des clients? Et puis, tu peux, enfin, il y a tout un travail de positionnement, de marketing, de business, etc. Donc ça, c'est le premier frein, c'est aimer faire ça. Ensuite, diriger une entreprise, c'est une compétence, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est pas les mêmes compétences. Quand tu es seul, c'est pas pareil que quand tu as 50 personnes, quand on a 200, quand on a 10 000, mais ça demande des compétences. Donc, tu as deux métiers, en fait. Tu as ton métier de dirigeant d'entreprise, et puis tu as ton autre métier, et tu peux faire les deux en même temps, ou à un moment donné, décider d'être que dirigeant, ou décider de faire que ton métier, d'être en portée, en sous-traitance, ou plein d'autres choses. Tu vois, ça nécessite une réflexion au départ de c'est pas plus de liberté, c'est comment tu vas te donner cette liberté. Donc, et c'est même beaucoup plus compliqué en termes de développement de soi que de trouver ta liberté dans un univers professionnel standardisé. Donc si déjà tu n'arrives pas à le créer dans un univers normé, ça va être encore plus casse-gueule dans un univers d'entrepreneuriat. Oui, parce qu'on a vraiment, on nous vend sur Internet notamment que l'entrepreneuriat c'est la liberté, et en fait pas forcément du tout. Non, pas forcément du tout. C'est autre chose, c'est une super expérience, c'est un apprentissage de ta puissance et de ta responsabilité, parce que par contre, ce que j'observe, hein, c'est que quand t'es passé par la case de l'entrepreneuriat, même quand tu reviens en entreprise, t'as complètement changé ton regard sur ce système normatif et du coup t'as beaucoup plus de capacité à aller jouer avec le système. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas un moment perdu. Ça t'apprend des choses, ça te permet de prendre conscience de ce que c'est que cette notion de prendre sa responsabilité, sa puissance. T'as pas le choix en fait. C'est ça. Donc tu plonges là-dedans. Donc c'est une super expérience. Maintenant, y rester, c'est pas fait pour tout le monde. Et enfin, dernière question. Quel conseil tu pourrais donner, des conseils un peu pratiques et à appliquer tout de suite aux femmes qui ont quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui ont un projet professionnel mais qui ne savent pas vraiment comment se lancer? Donc c'est peut-être plus un travail d'introspection, de savoir qui on est et puis par rapport à l'entreprise aussi. Oui, je pense que nous, chez Leaders for Good Planet, on accompagne beaucoup ces thématiques-là dans des parcours sur le leadership. Pourquoi le leadership? Tu vas dire, on est sur la carrière. Oui et non. La carrière en soi, ça ne sert à rien. Un métier non plus. Et un job non plus. En fait, ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est avoir un niveau d'impact sur le monde. Ce que moi, j'appelle leadership. Quel genre de leadership? Impact, c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est des nouveaux modes de leadership à impact. Quel impact je veux avoir sur le monde? Donc je veux avoir un impact à moi, à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de ma région, à l'échelle de ma ville, à l'échelle de mon métier, à l'échelle d'un nombre de clients, à l'échelle d'un chiffre d'affaires, peu importe. Mais il y a un impact. Donc ce niveau d'impact demande un niveau de leadership. Collectif, si tu travailles à plusieurs, et individuel, si tu travailles seul. Et les deux, si tu travailles à plusieurs, individuel et collectif. Tu vois, c'est comme, en fait, on se pose beaucoup la question du business model, etc. Ce qui est important, mais pour moi, le business model, c'est encore qu'un outil. Donc, on bosse sur quel impact tu vas avoir, quel type de leadership individuel tu as, quel type de leadership individuel il faut que tu développes pour aller au niveau d'impact que tu veux, quel type de leadership collectif tu dois développer pour aller au niveau d'impact que tu veux, et ultimement, quel type de leadership business tu dois développer. Business, ça veut dire financier, business model, marketing, etc. Donc, on fait toute la chaîne de valeur, mais on part de toi, ok, mais de toi en lien
avec le niveau d'impact que tu veux avoir. Parce que si ton niveau d'impact, tu le mets là, puis que tu es là, tu comprends qu'il va falloir que tu me fasses vachement monter ton niveau de leadership et donc tes compétences pour arriver à ton niveau d'impact. Mais peut-être que tu peux essayer d'ajuster. Et il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que si ton niveau d'impact souhaité, il est là et que tu es là, tout s'apprend. C'est juste pas se tromper de chemin. C'est marrant parce que j'en parlais avec une amie hier récemment qui a pareil, qui a un projet qui est un projet très ambitieux. Et en fait, elle faisait très peu et elle attendait que ça marche tout seul pour quelque chose de très ambitieux. Et je lui ai dit, mais t'as un projet exceptionnel, il faut que tu deviennes exceptionnel, il faut s'aligner à son projet. Tu sais, moi, ça fait, donc j'ai 52 ans, ça fait 25 ans que je suis accompagnée, que je travaille sur moi. J'ai toujours en moyenne 3 coachs, plus des gens qui m'aident sur plein de choses. Je monte en compétences tous les ans et je me perfectionne et je me perfectionne. Je suis vraiment dans un mindset de croissance permanent. Pourquoi ? Parce que je me suis mis un objectif d'impact hyper important. Mais au départ, je ne suis pas du tout cette personne-là. Je suis là par rapport à mon objectif. Si tu me prends, moi, il y a 20 ans, ça, c'est genre ça, quoi, tu vois ? Et donc, au fil des années, ça... Voilà. C'est délicat. C'est ça, mais ce n'est pas un truc magique, quoi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir investir du temps sur toi, de l'argent sur toi. Et si tu veux pas faire ça, ben alors c'est intéressant de retravailler ton objectif d'impact. Et donc, avant de travailler le business model, avant de travailler le marketing, avant de te demander si tu fais un site internet ou des cartes de visite ou de l'automatisation ou de je sais pas quoi, tu vois, moi j'accompagne toute la chaîne de valeur avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'on part sur ce niveau d'impact, on regarde où tu es, ça te permet d'avoir un premier bilan. Ensuite, tu veux continuer, tu veux pas continuer, très bien, c'est ton choix, mais si tu veux t'aligner, alors voilà. On va regarder le leadership, le management, le business model, le marketing, la capacité à vendre, la capacité à communiquer, etc. Ça demande une connaissance, hein, vraiment. Et oui. Pour aller mesurer, il faut déjà connaître. C'est ça. Donc il y a un vrai travail déjà d'investigation. Oui, et qu'on est capable de le faire parce que justement, dans le parcours, donc moi, j'incarne ça, et c'est tout mon parcours de vie. Hein. Et je recrute des gens tout un écosystème de personnes, on est 25 aujourd'hui chez Leaders for Good Planet, qui sont capables d'avoir soit toute, soit partie du parcours pour aller regarder comment on va pouvoir t'aider par rapport à là où t'en es. Mais le premier truc, c'est déjà de faire un bilan réaliste. Parce que si t'écoutes en fait les bonnes pratiques de l'entrepreneuriat, tu commences par créer un site internet. Tu te dis qu'il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux alors que tu détestes la technologie, par exemple, et il faut que tu vendes. Et là, tu fais alors j'aime pas vendre, je déteste la techno et je sais pas faire un site internet. Donc, tu vois, tu te mets direct en difficulté alors qu'en réalité, la question c'est quel niveau d'impact je veux avoir, qui je suis, quel type de compétences j'ai, mais d'abord qui je suis, quel type de leadership j'ai. Parce que c'est pareil, tu vois, moi au départ, je suis quelqu'un d'ultra timide. Si je pouvais rentrer dans un trou de souris, ça serait top, qu'on ne me voit pas, tout ça. Avec la volonté d'avoir un niveau d'impact à cet endroit-là, tu vois le problème. Mmh. T'imagines comment ça me demande de bosser et ouais. Tout ce que ça m'a demandé de bosser. Donc, quand tu veux magnétiser des clients ou de la visibilité et que par défaut, tu as un système nerveux, une configuration qui fait que tu es quelqu'un qui est un super numéro 2, qui adore l'ombre, mais dans le bon sens du terme, qui adore, tu vois, porter les autres et tout, et ben, tu dis, ok, j'y vais, j'essaye, je me fais accompagner, je vois si ça me plaît, je passe une deuxième marche. Il faut imaginer, donc aujourd'hui, j'ai des grosses communautés, j'interviens toutes les semaines sur BFM Business, à la télé, mais il faut comprendre un truc, c'est que moi, il y a encore peut-être 10 ans, quand j'envoyais un mailing, j'ai une newsletter, j'avais une crise d'angoisse. D'accord ? Donc, si moi j'y arrive, je peux te dire que... c'est que... Et ça donne de l'espoir, du coup. Voilà, c'est que tout le monde peut y arriver, quoi. Mais j'y suis pas arrivée en me disant, je veux arriver à ce niveau d'impact et je vais rien faire et j'attends que ça arrive. Non. Ouais. Et je suis pas passée de j'envoie une newsletter, ça me donne une crise d'angoisse, à je passe à la télé. Tu vois, ça a été tout un chemin... progressif et d'accompagnement, mais c'est pas magique non plus, quoi. Donc il faut travailler, en fait. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de miracle. Il y a des étapes, en fait, et de trouver cette cohérence, parce que t'es pas obligé,
tu vas pas passer les 25 marches d'un coup pour arriver à ton niveau d'impact, d'accord? Mais c'est de te dire, ok, c'est quoi la prochaine marche? C'est quoi la prochaine marche? Et c'est là, c'est ça qui est intéressant quand on me dit, tu fais du coaching. Non, j'ai un diplôme de coach. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quel impact tu veux avoir toi, pour toi et ou ton entreprise. Et ensuite, on aligne. Parce que le mode opératoire, il est unique. Top, il n'y a plus qu'à. Merci Sandrine. Merci à toi.